En couture. Le président, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. Je déclare l'audience ouverte. Today the chamber continues to continue with the key document presentation. La chambre termine aujourd'hui cette audience there will sur be la présentation the des responses documents clés. And observations et on entendra les réponses et through those key documents presented by the co-prosecutors, the lead co-lawyers, and the accused upon defense. And we will have their observations and responses in this order. And this is in regard to the treatment of the target groups, including the Cham, Vietnamese, and the former officers of the Khmer Republic, et les anciens responsables de la République Khmer. And before we proceed, the chamber wishes to inform the parties that Judge Yotra, who is the national judge, is absent for personal reasons. And after the bench deliberated the matter, après délibération, la chambre a décidé. We decided to appoint the reserve judge through Mouni in his place for today's proceedings. Au fin des audiences d'aujourd'hui. And this is pursuant to Rule 79.4 of the ECCC internal rules. Ce qui est conforme aux dispositions de la règle 79 the attendance of the parties and other individuals to today's Madame Chiesewan, veuillez faire votre rapport. Greffier, Mr. President, for Monsieur today's proceedings, all parties to toutes this case are present, except the Khieu Samphan National Council, Cambodgien de Khieu Samphan, and Madame Marie Giraud, the international legal lawyer, who are absent for personal reasons. Pour des motifs personnels. Nunchi's International Council, Victor Copper, is absent without giving any reason. Victor Copper est absent sans motif is present in the holding cell downstairs. Quant à Nunchi, he has waived his right to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the audience pour les audiences d'aujourd'hui. Il a remis le document à cet effet à la Chambre. President, thank you, Mr. Jie Siwang. The Chamber now decides on the request by Nunchi. La Chambre va maintenant se prononcer sur la requête qu'a présentée Nunchi. La Chambre a reçu un document de renonciation de Nunchi en date du 26 février 2016. Dans ce document, Nunchi a justifié qu'il ne peut pas se concentrer pour longtemps et pour effectivement participer à des hearings, pour pouvoir suivre les débats à distance, afin d'assurer sa participation à des audiences ultérieures. Having seen the medical report of Nunchi by the duty doctor for the accused at ECCC, dated 26 February 2016, which notes that dans son rapport, le médecin Nunchi has severe back pain and dizziness when he sits for long, and recommends that the chamber grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information, and pursuant to Activant 5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nunchi his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs by audiovisual means. The chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nunchi can follow. This applies to the whole day. Puisse suivre les débats, et ce, pour toute la journée d'aujourd'hui. The chamber wishes now to hand the floor to the co-prosecutors co-procureur so that you may respond or make observations regarding the key document presentation des documents clés of other parties. The combined time for the co-prosecutors and the elite co-lawyers are two sessions. Dispose de deux séances. You may proceed. Vous avez la parole.
Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, Council. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. I will respond briefly in relation to the documents that were selected by the Khieu Sampan defence. Brève réponse aux documents choisis par la défense de Khieu Sampan. Allegations in relation to the treatment of the Vietnamese. Concernant des allégations relatives au traitement des Vietnamiens. And my colleague, Mr. Dale Lysak, will mon collègue, Monsieur Dale Lysak, make submissions to you on the CHAM présentera ses observations sur le sujet des CHAM. The former Khmer Republic soldiers and officers. Les fonctionnaires ainsi que les soldats de l'ancienne République. So perhaps if I begin, Your Honours, the defence presented highlighted 13 documents from the case file. A huge case file of la défense a présenté 13 documents. They presented 13 within 13 documents the time sur les 6500 qui figurent au dossier. We look at the documents that they presented lorsque or highlighted, l'on voit les documents que la défense a choisi de présenter, they fall into two sommes d'avis qu'il y a deux catégories de tels documents. Opinions, tout d'abord, of some very distinguished, les opinions de chercheurs on the Democratic Kampuchea period. Très connus and qui ont étudié la période du Cambodge démocratique, et l'autre catégorie étant des documents allegations of the treatment of the Vietnamese into context. Qui fournissent un certain contexte quant au traitement des Vietnamiens. Khieu Sampan, I think mentioned that a couple of times, l'avocat de Khieu Sampan a dit à quelques reprises on Wednesday, en sa présentation de very mercredi much the documents they were putting forward, que ces documents que la défense sure présentait that, we didn't forget visaient the context in which these allegations are occurring. Bien se souvenir du contexte so, dans lequel ces allégations just briefly ces in relation to the contextual documents. Donc, brièvement sur ces documents de contexte. Although, of course, they are important. Nous sommes d'avis qu'ils sont certes importants necessary et nécessaires to understand and interpret que ces documents servent à bien comprendre et interpréter les allégations clés dans l'acte d'accusation, notamment le traitement des Vietnamiens. The documents they put forward did not, toutefois, les documents que la défense a présentés challenge the core ne contestent pas directement les allégations relatives aux Vietnamiens. Donc voilà notre premier argument. But before I get to discussing those documents in a little more detail, avant de discuter plus en détail like de ces documents, j'aimerais parler the documents that they highlighted that had des documents these very distinguished researchers' opinions on whether or not genocide des occurred opinions de ces against chercheurs, Vietnamese civilians, à savoir si un génocide Cambodia avait été commis contre les Vietnamiens en Cambodge. And Your Honour, this of course the document that the prosecution put forward in relation les to Ben Kiernan and his book, l'accusation dans, par exemple de Ben Kiernan dans son ouvrage, distinguished researcher qui est aussi un grand chercheur, a particular opinion on whether or not genocide occurred. Il présente aussi des opinions à savoir si un génocide a eu lieu contre les Vietnamiens pendant la période du Cambodge démocratique. Et donc, comme les avocats, les universitaires, les chercheurs aussi peuvent s'entendre ou être en désaccord sur certaines questions, notamment par exemple sur la question du génocide des CHAM. Three documents à ce sujet, la défense a présenté trois documents the opinions of, Stephen présentant Hedder, des opinions Henry, de Stephen Hedder, Henri Lockhart et Philip Short, as to whether not genocide occurred, à savoir si le génocide avait lieu contre les Vietnamiens en Cambodge. In those three documents, it was the perspective dans ces of trois each documents of those researchers that it did not occur. Ces trois personnes étaient d'avis qu'il n'y avait pas eu de génocide. En discutant de l'intention génocidaire, à savoir si les dirigeants du PCK avaient une intention génocidaire. Voilà l'essentiel de cette discussion, et non pas si des crimes ont été commis contre les Vietnamiens en tant que groupe. These opinions. À cet égard, j'aimerais dire deux choses au sujet de ces opinions présentées par la défense. Made, without the benefit
of the investigation. Ces opinions ont été faites sans avoir été informées par l'instruction qui a eu lieu à partir de 2006. Stephen Hedder's opinion was from a l'opinion exprimée par Stephen Hedder était fondée sur un document de 1988. Celle de Philip Short, was largely based 98 plutôt, sur his book, his research de 1998. From 2005. Ensuite, Philip Short, ses recherches remontent à 2005 issue, et les avis exprimés par Henri Lockhart se fondent sur dated, un document 1998. In fact, en date de 1998 aussi. Myself, d'ailleurs, je me corrige plutôt from 1996. L'article de Stephen Hedder de 1996. All of these distinguished researchers et donc, did not have access to the brillants case file. Chercheurs n'avaient pas accès au dossier pénal. The 1400 pas accès or so aux quelques 1400 procès-verbaux witnesses émanant de during témoins this period that qui ont your été entendus pendant have. Cette période. Vous, they les juges, did not avez have accès access à ce dossier pénal. The over 4,000 pas, ces civil chercheurs party n'avaient pas applications. Accès aux quelques 4000 demandes de constitution de parti civil sur ces questions et d'autres questions relatives aux crimes reprochés dans l'ordonnance de clôture. Ils n'avaient pas accès aussi à certains documents d'époque aussi auxquels vous avez eu accès. And so, to conclude the first point, we would submit until such time that these experts, these researchers, et donc, have had an opportunity to review that material, avant that voluminous material que ces chercheurs aient la possibilité de then consulter toutes ces preuves documentaires have to have a more limited weight. Et puissent s'exprimer là-dessus, il faut again, because they were made outside of the major investigation. Limiter le poids accordé à ces opinions qu'ils ont exprimées. Certainly on a basis of a lot of the work that they had done and carried forward. And the second point I would like voilà to make pour mon premier point. Is that the determination of the issue of whether or not genocide maintenant, occurred à savoir si un génocide the Vietnamese, a été commis contre les legal issue Vietnamiens, c'est la question upon. Juridique and that really ultime dont, is a, the sur laquelle il faudra se prononcer. Judges, et c'est aux juges, c'est à vous, vous qui avez eu la possibilité d'examiner so, toutes les pièces. Your Honours, to conclude, in relation to the experts' views, and that in fact would include au sujet des opinions Ben des experts, the view that ce qui did occur, inclut aussi Bien Kiernan, qui, quant à lui, un génocide a eu lieu, it's really, matters that you can think about and take into account, questions pour les chercheurs que, dont vous pouvez tenir compte, dont vous devez tenir compte, mais non pas nécessairement la valeur probante qu'elles auraient eu si ces chercheurs avaient eu la possibilité de lire les 1400 procès-verbaux d'audition, les 4000 demandes de constitution de partis civils et tous ces autres documents qui viennent étayer les allégations. Your Honours, now I'd like to turn to the next group, this perhaps the second group of documents. Je vais en parler au deuxième groupe de documents présentés par la défense de Cusson. And admittedly, it is a difficult task to bring out every document you would like in a short period of time. Bien entendu, il est difficile de présenter tous les documents qui nous intéressent pendant si peu de temps. Mais jetons un coup d'œil aux documents qu'ils ont choisi de souligner. They largely fell into two groups, and that was a group of documents that provided evidence of facts that occurred qui présente preuves de faits qui auraient eu lieu autour de 1976. Another group of documents, et un autre groupe de documents, by and large, referred to facts qui and events portent sur des faits, des événements between qui ont eu lieu about August entre 1978 ou 1978 to December 1978. À décembre 1978. So if we just look at the selection of those documents and the time period le choix des documents in which those two sets relate. Et la période. When we look at
ou les périodes sur lesquelles il porte, quand on compare cela aux allégations principales de l'ordonnance de clôture, notamment le traitement des Vietnamiens, namely that from 1975 onwards, qu'à partir de 1975, que les Vietnamiens avaient été expulsés du Cambodge. And then we look at the next, perhaps, core allegation that from April 1977, there an intent was formed. This is what the indictment says. The CPK leadership had decided to destroy all or part of les dirigeants. Du PCK avait choisi de détruire la totalité ou une partie de la population vietnamienne au Cambodge. C'est le paragraphe 214. Donc, à partir de 1977, c'était à partir de 1977 que cette intention s'était cristallisée dans l'esprit des dirigeants du PCK, à savoir la destruction des Vietnamiens. Prior to that, the argument or the allegations in the indictment that the CPK leadership did not have that intent prior to. Et l'allégation étant que avant cette période d'avril 1977, le PCK n'avait pas une telle intention de destruction totale ou partielle du groupe vietnamien comme tel. When we look at the documents, and say if we look at the four documents donc, that they selected, si l'on considère les quatre documents qu'a retenu la défense, in relation to what was the facts that were occurring in 1976, quant aux faits, and I'm referring to E3/221, that's the Standing Committee meeting minutes of the 14th of May 1976, and that's the Council of Ministers meeting minutes, du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres, dated the 31st of May 1976. If we look at those two of the four documents, si l'on peut voir what the defense is saying. The probative value of those documents are is that la défense dit au sujet de la valeur probante de ces documents appeared to be from their minutes negotiating a peaceful solution les dirigeants cherchaient à obtenir une résolution pacifique avec le Vietnam to end the border conflict pour à la question frontalière is evidence of et que cela intent démontre une intention the CPK leadership de la part des dirigeants du PCK did not possess the intent to target. Ou plutôt, cela montre que les dirigeants du PCK n'avaient pas l'intention de prendre la population civile vietnamienne pour cible. But the issue is, Your Honours, that intent, the indictment says, did not culminate mais until April 1977. Ce que dit l'ordonnance de clôture, du moins, nous sommes d'avis que cette intention n'est pas venue avant 1977, c'est-à-dire un an après. La période des documents qu'ils présentent pour prouver que cette intention n'existait pas un an plus tôt. Your Honor, the position of the prosecution and the allegations in the indictment are that the intent to target the Vietnamese de prendre les Vietnamiens pour cible et de les détruire comme groupe, destruction totale ou partielle, que cette intention s'est intensifiée ou s'est même formée as the armed conflict with Vietnam began au fur et à mesure de l'augmentation du conflit armé avec le Vietnam. Nous sommes donc d'accord que nous sommes donc d'avis que la valeur probante des procès-verbaux un an plus tôt avant la création de cette ou l'émergence de cette intention, secondly, que cette valeur probante est très limitée. When counsel talk about this idea of what was the CPK leadership's view of the Vietnamese quand le conseil government présente in 1976, even in, when we look behind l'opinion the, du gouvernement the minutes, du Comité démocratique vis-à-vis du Vietnam en 1976, minutes, si l'on consulte même le langage, le libellé de ces procès-verbaux de 1976, même à cette époque-là, quand bien même les dirigeants du PCK essayaient de négocier une résolution dans E3
7-9-3, on peut voir que dans, à la, cette réunion, on continue de faire référence à eux comme étant les méprisables. Et au Cambodge démocratique, vous savez bien, madame, vous savez bien ce qui arrivait à beaucoup de gens qui étaient considérés comme méprisables. Ces gens ont été tués. But the main point being, Your Honour, is that these documents really are not that helpful in determining whether or not the intent ne sont pas très utiles à déterminer si les dirigeants du PCK avaient quelle était l'intention des dirigeants du PCK en avril 1977, date à laquelle l'ordonnance de clôture dit que cette intention s'est cristallisée, intention de destruction totale et partielle du groupe. And perhaps if we look at two other documents from 1976. On peut considérer les deux autres documents qu'ils ont présentés pour 1976. Pour montrer plutôt cette approche government. They refer to conciliation vis-à-vis du gouvernement, E3/4589. And that's François Ponchot's report. Il s'agit du rapport de François Ponchot. On the 10th of January 1976. And by and large, that report supports the allegation in the indictment that large dans sa majeure partie, ce rapport étaye les allégations, autrement dit, plutôt que les Vietnamiens aient été envoyés du Cambodge au Vietnam en grand nombre, il montre qu'il y a une coopération avec le Vietnam pour rapatrier ces gens, et dans son rapport, François Ponchot being forced out of the country. So, by and large, that's quite Vietnamiens ont été expulsés du pays. Donc, finalement, ce document vient of the allegations in the indictment, appuyer les allégations where there was cooperation, à savoir s'il y avait coopération à certains endroits qu'on peut voir dans son rapport. Certes, cette coopération existe 18 mois, voire 2 ans avant argued in the closing order that that genocidal intent, in fact, came into being in April 77. L'émergence de cette intention génocidaire, avril 77. Your Honours, if I can just move to the four documents that the defence put forward as probative in relation to the treatment of the Vietnamese in 1978. There's three documents that are newspaper reports, and there's one document that is a revolutionary il y a des articles flag, de journaux et un de ces documents, c'est un étendard révolutionnaire February, en date 1978, ces trois articles E3/7265, c'est un article du 10 August 1978 dans le Washington Post, E3/7315, from the Bangkok Post, 24 October 1978 dans le Bangkok Post, E3/7310, il s'agit d'un article de presse du 3 décembre 1978. Just briefly, the combined effect of these newspaper reports, they essentially discussed that on the 10th of August 1978, there was pressure by Vietnam to negotiate qui des pressions exercées par le Vietnam comme tactique de négociation, que le Vietnam faisait pression sur le Cambodge pour négocier les questions frontalières. Ensuite, celui du 24 octobre 1978 fait état de l'intensification des concentrations plutôt de soldats à la frontière avec le Vietnam, et une occupation d'une partie de la frontière orientale du Cambodge, et des quelques mouvements d'insurrection qui existent au pays, et finalement le troisième, celui de décembre 1978, fait état de la création du front uni avec le Vietnam et certains Cambodgiens qui auraient fait défection. It's accepted by the prosecution, accepted in the indictment that accepte, et on retrouve aussi cela dans l'ordonnance de clôture, as we move towards January 1979, alors que l'on approche de la date de janvier 1979, quand les Vietnamiens ont finalement pris le contrôle de Phnom Penh et de la majeure partie du territoire cambodgien, et dans l'allégation, on retrouve dans l'ordonnance de clôture relative au conflit armé, écrit, increased steadily
le conflit armé ne cessa de gagner en ampleur et en intensité jusqu'à déboucher sur deux incursions massives au Kampuchea démocratique par les forces vietnamiennes, d'abord en décembre 1977, puis en décembre 1978. And then it goes on to say this later invasion led to the toppling of Phnom Penh, and the controlling of the country, conduisant le Cambodge démocratique à saisir, etc. Et que l'armée révolutionnaire fuit Phnom Penh. So in a sense, the build-up of military support, donc, the fact that there was a augmentation. A combined force building, ou cette intensification de la question militaire, it doesn't really essentially. Et les événements entourant cela ne viennent pas contester ou ne portent pas directement sur la question de savoir ce qui est arrivé aux civils vietnamiens au Cambodge. Ça porte sur l'effort de guerre, mais ne touche pas les allégations dans l'ordonnance de clôture. L'allégation voulant que la déportation des Vietnamiens en 1975, les mauvais traitements et les exécutions de civils vietnamiens qui vivaient à Prevang et Svay Rien, le traitement, la torture, la cruauté envers les combattants et les civils vietnamiens qui ont été envoyés dans les centres de sécurité à Krang Ta Chan, Ok An Sang, S21 et Tram Kok. Those documents don't address that issue at all. Les documents présentés ne portent pas du tout sur cette question. The central issue, et qui est l'allégation centrale, à savoir les crimes qui ont été commis, that are alleged in the indictment. So they're contextual, et the build-up of military forces. Dans l'ordonnance de clôture, ces documents portent sur la concentration militaire et l'effort de guerre, limited. Et leur valeur probante de nous est assez limitée. Understanding the unarmed conflict. And how that impacted on cela peut permettre de comprendre le conflit armé et en quoi cela aurait pu influencer des comportements. C'est pertinent. Nous sommes d'avis que les documents sont pertinents pour ce point, mais n'ont pas beaucoup de valeur probante vis-à-vis des allégations principales de l'ordonnance de clôture. Your Honor, there's one last document I would like to mention. It was raised by the Khieu Sampan defense, and this is E3/744, and it's the revolutionary flag of February 1978. The defense argue that this edition of the CPK policy magazine provides evidence that the CPK specifically were excluding the Vietnamese population in Cambodia as enemies of their la population vietnamienne du Cambodge of their regime. They argue that this magazine la makes a clear d'ennemis. Distinction between et dans enemies such as the Vietnamese on peut voir qu'il y a armed forces, ennemis comme les forces the state, armées vietnamiennes, the military forces, les forces militaires, resistance groups in les Cambodia, groupes de résistance au Cambodge. And Vietnamese generally. Et les Vietnamiens en général. Make a clear il y a une distinction donc claire que les Vietnamiens ordinaires ne sont pas la cible de leur politique. However, Your Honor, even though they do refer to Vietnamese civilians, même si l'on fait référence à des civils vietnamiens et les forces militaires vietnamiennes, when you look at that revolutionary flag, and this is at English 0046, donc à 0046403 en anglais, en khmer 0000786, and French 0053894, and I quote, another UN political defeat is that the Vietnamese people clearly see that their aggressive policies have led their country and the UN people into painful destruction. Leur pays et leur peuple vers the CPK and their magazine are referring to the Vietnamese as something other than the military forces, they're referring to the Vietnamese diffère, in Vietnam. They're not referring militaires. To ils font, ils the Vietnamese civile in Cambodia. Au Vietnam, pas au Cambodge. In that same edition, they et refer, they state that ce même numéro, CPK encourages forces on peut voir to resist CPK and eradicate encourage les forces à résister so, et anéantir les réseaux d'espionnage et de résistance. Donc la valeur probante de ce numéro pour montrer que l'intention du PCK n'était pas de prendre pour cible les civils vietnamiens au Cambodge, That's incorrect. C'est incorrect.
they were referring to the Vietnamese dans ce numéro, on fait ici référence aux civils vietnamiens Vietnam. Au Vietnam. So, Your Honours, in relation to all of the documents that were put forward, we submit that Your Honours are in the best position to determine whether genocide occurred because of the information that you have before you, as opposed to, unfortunately, what wasn't before those other experts. And secondly, the documents that have been put forward to show the context in which these core allegations occurred, they have a certain relevance, but the weight of them being newspaper reports and dealing with military battles as opposed to what was happening in areas controlled by the CPK and what was happening to those people that are the subject of the allegations in Svay Rang and Prey Vang and sent to S21. They have very, very limited value in challenging that evidence or those allegations. So, Your Honours, if I may, I'm going to hand the floor to Mr. Lysak, and he will submit to you on the CHAM and the former Khmer Republic officials. Vous parler des anciens fonctionnaires et soldats de l'ONU ainsi que des CHAM. Good morning, Your Honours. Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. There were a limited number of documents presented by the Khusum Phan defense on this issue, so I also will be fairly brief this morning. The defense presentation relied upon the opinions of two authors, Philip Short and Henri Locard. However, these were authors, I wish to emphasize, who had not conducted extensive, detailed, thorough research on the experiences of the CHAM people under the Khmer Rouge. Neither of those people are lawyers, judges, who understand the legal definition of genocide. As we have said before, and as Mr. Smith reiterated, it is this chamber, it is for this chamber to decide whether the evidence you've heard meets the legal requirements of genocide. Let me say that the true, the most important significance of the research and work of Issa Osman and Ben Kiernan is not so much their opinions on these issues. It is the substantial evidence that they have collected as a result of their research that shows in detail the facts of what took place with the CHAM people during the democratic Kampuchea regime. So, yes, as reflected by some of the material that was quoted by the defense, there has been this academic debate in the past on the genocide issue with some people, Kiernan, Issa Osman on one side, others on the other, side, Short, Chandler. But only two of these authors conducted detailed research specific to the CHAM. The others did not. And none of those people heard the evidence Your Honours have heard in this courtroom over the past year. One of the documents presented by the Khusum Phan defense on this issue, E3/7283, which they described as an article written by Henri Locard, was actually a letter he wrote to the Cambodia Daily criticizing the crime sites that had been selected for the case 002/02 trial in the court's severance decision. It was not a research piece into what had happened to the CHAM people. This is not to criticize the work or opinions of Henri Locard. He's done some very detailed research. We are hoping he will appear before this chamber. But the documents cited
is not a research piece into the CHAM, and we would submit the research he has done is minimal on this issue compared to Ben Kiernan and Issa Osman. The book written by Philip Short, cited by the defense, E3/9, contains no detailed research or interviews about the CHAM. In this 500-page book, there are only a few cursory references to the CHAM. You will find it on pages 230, 254, 326, and 354. And these are solely a very general discussion about the suppression of their culture, the rebellions, and the movement of the CHAM population. That is it. There is no discussion at all of the organized mass killings of CHAM communities, entire CHAM communities that occurred in Kangmias, Kampongsim, and Croch Chmar districts in 1977 to 1978. It is clear from this book that this is an issue that simply Philip Short simply was unaware of and had not dont Philip Short n'était pas au courant et sur laquelle il n'a donc pas mené de recherche. To follow up further on another point made by my colleague, pour rebondir encore sur ce qui a été Philip dit par mon Short collègue, made lorsque the statement Philip that was quoted by counsel, a fait la déclaration when qui a été Henri Locard par la wrote défense, his article or his Henri letter to the Cambodia Daily, they were not aware not only of the evidence uncovered by the judicial investigation, but of course also the evidence your honors have heard in this courtroom during the trial segments on the CHAM and Vietnamese. Short and Locard did not hear the witnesses who came to this courtroom and described how the entire CHAM population of villages and communes in Kampongcham province, the heartland of the CHAM population in Cambodia, were rounded up and taken to be killed in 1977 and 78. They were not here when Seng Pui described how he was ordered to help transport the CHAM from his commune, all the CHAM in his commune, to Wat Ochakun, nor when he told this court the words of the commune security chief who oversaw these arrests: "We will kill all the CHAM people. We will not spare anyone." They were not aware of the evidence before this court of orders from the upper echelon to identify, arrest, and kill CHAM people. And those authors were not here on the 3rd of February this year when Mies Bun, a former CPK sector secretary and deputy commander of the West Zone military, testified, and I quote, "We were instructed that Vietnamese had to be smashed because they did not return to their country." The defense cited the argument or opinion of some of these authors that the killings of the CHAM and Vietnamese were politically motivated, not racially motivated. For example, in the letter he wrote to the Cambodia Daily, E3/7283, Henri Locard stated that the Khmer Rouge were not specifically racist and that CHAM were victimized because they rebelled en masse in Croch Chmar district and refused to abstain from performing their daily prayers. This was the view he expressed in this letter. And this is a perfect example, Your Honors, of why opinions of authors on this issue of whether or not genocide occurred, are neither admissible nor of particular value or help to your decision. And that is because these opinions often rest on an incorrect understanding of the law. Contrary to what Locard, Short, and others appear to believe,
Genocide does not require that the perpetrators be racists or racially motivated. If you have the intent to eliminate an ethnic, religious, or racial group, that is genocide. Whether you are acting for political reasons, military strategy, racism, or because you don't like the color of their clothes, it is the intent to eliminate an entire group. That is genocide. Un groupe dans son intégralité, c'est cela qui permet de qualifier le génocide. Defense, donc ce que nous avons entendu citer par la défense, à savoir que les Cham n'ont pas été tués pour des raisons raciales, mais tout simplement parce qu'ils s'étaient rebellés, ne contredisent pas contrary, qu'il y a eu génocide, bien au contraire. Si vous décidez d'éliminer Cham people, les Cham, because you are worried about them rebelling again someday, and you kill entire Cham communities, men, women, and children. That is genocide, period. C'est un génocide. Point. If you decide to kill all the Vietnamese ethnics and nationals who stayed in the country because you are engaged in a political and military conflict with the Vietnamese government and don't trust the Vietnamese people, that is genocide. The fact you have border problems and a history of antagonism with the Vietnamese government does not justify rounding up and killing the Vietnamese people who are living in your country. Toute la population des Vietnamiens qui habitent dans votre pays. Another document presented by the defense, Your Honors, was a 14 October 1975 Democratic Kampuchea government a radio broadcast. This was in E3/272. I'm not entirely sure the reason the defense cited this document. Counsel recognized herself that this radio broadcast was propaganda on the part of the DK government. This was a radio broadcast telling, indicating that, or stating that Cambodian Muslims were guaranteed their full democratic liberties. And I would observe, Your Honors, that the timing of this propaganda, mid-October 1975, shortly after the Kopal rebellion in Crochamar, is surely not a coincidence. This radio broadcast indeed appears to be propaganda, propaganda aimed at pacifying the Cham people, similar to how the Khmer Rouge gave false assurances to Lon Nol soldiers and officials before rounding up and killing them. Finally, with respect to the targeting of Lon Nol officials and soldiers, à présent, les soldats et fonctionnaires de Lon Nol. The Cusumpan defense presented a few news articles, essentially, that indicated that there were there was some resistance, some pockets of resistance in the country in 1976 that may have been led by some former Lon Nol military, possibly operating out of Thailand. And, Your Honors, this is simply not justification to round up and kill ranking Lon Nol soldiers and officials who remained in the country and their family members. Let me remind Your Honors of one of the documents we presented, E3/1539, the S21 record showing over 160 Lon Nol-related people who were killed at S21 in 1 week in March 1976. The list includes at least 12 relatives of Long Bray, people who were not soldiers or officials themselves. And the very last entry on this S21 list is four children. Children, four children of a former Ministry of Education official, Tach Chia, who you've heard about during the last few years.
ces dernières années. We would submit that to try to use Nous pensons ainsi the resistance of a few d'utiliser la résistance to justify d'une the killing of thousands, including women and children, compris des femmes et des enfants, is shameful. Est honteux. It's not a legal defense. Et ce n'est pas une it is not a legal defense to the extrajudicial killing of so many Cambodians. L'exécution extrajudiciaire de tant so de Cambodgiens. We would submit these ainsi, documents. Nous pensons have little probative value ont peu de valeur to the issues that your honors have to decide. Par rapport aux questions sur lesquelles, mesdames, messieurs les juges, vous êtes appelés à trancher. Je vous remercie. President, thank you. Now the floor is given to the litigant lawyers for civil parties. You may now proceed. Good morning, Mr. President, Your Honours, everyone in and around the courtroom. The co-prosecutors have already responded to the document presented by the defense counsel for Mr. Kyu Sompon, and all the arguments in the responses are very robust, so we have no further responses. Thank you, Mr. President. President. Lastly, the floor is now given to the defense team for Mr. Kyu Sompon to register responses or any observations on the documents presented by co-prosecutors and the co-lawyer for civil parties. You have the floor now. Merci, Monsieur le Président. Bonjour Thank à tous. You, Mr. President. Good morning, everyone. Je vais faire quelques observations sur les différents documents qui ont été présentés au cours de ces derniers jours de l'autre côté de la barre. Mais avant de commencer, je voudrais faire quelques remarques générales et surtout préciser un point pour rebondir sur ce que j'ai cru entendre de la part de M. le co-procureur international, à savoir que le but de présentation par la défense de documents serait de justifier des crimes. Alors, je pense que c'est un point qui est important, c'est presque philosophique en termes de défense pénale, puisque la question qui se pose lorsque nous présentons des éléments n'est pas de justifier des crimes. Lorsque nous présentons des éléments de contexte, nous essayons de donner des éléments à la Chambre pour juger de ce qui a pu se passer sur un plan politique, sur un plan local, sur un plan national, qu'il y ait eu des crimes, et je pense que nous l'avons déjà dit, nous l'avons rappelé d'ailleurs encore récemment lors de l'audience d'appel. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de contestation sur des faits que des gens ont été tués à différents endroits du Cambodge. Au niveau de la défense, la question est de savoir est-ce que c'est une politique qui était déterminée au niveau national et est-ce que c'était une politique à laquelle aurait adhéré M. Kyu Sompon et est-ce que c'était des choses qui correspondaient à un plan commun criminel. Donc c'est ça. Là, au niveau de la défense, les éléments que nous présentons. Maintenant, lorsque nous présentons des éléments de contexte, lorsque nous présentons des opinions diverses et variées, ce sont effectivement des éléments que nous présentons à la Chambre pour qu'en définitive, elle prenne sa décision. Mais il ne s'agit aucunement de justifier la mort de qui que ce soit. Ça, c'est un point qui est très important à mettre en avant. Sur les remarques générales, sur l'ensemble des documents qui ont été présentés de l'autre côté de la barre, je rappelle que nous avons nos oppositions de principe sur les questions des déclarations écrites qui sont présentées au lieu et place de témoignages oraux, en rappelant qu'il n'y a pas de contre-interrogatoire, que nous n'avons donc pas, du côté de la défense, la possibilité de tester la crédibilité de ces déclarations, ni de les confronter aux autres éléments de preuve au dossier. Donc, bien sûr, nous vous demandons de tenir compte de ces éléments lorsque vous examinerez ces documents dits clés. Cela me permet également de répondre à la remarque qui avait été faite par ma consoeur
des parties civiles à la fin de la présentation de leurs documents clés, en indiquant notamment que sur les déclarations des parties civiles, ils avaient fait un travail de vérification en amont avant de les présenter devant la Chambre. Alors, loin de moi l'idée de remettre en cause la bonne foi de nos confrères des parties civiles, mais je me souviens quand même que parfois des informations qui sont fournies par des avocats de parties civiles comme informations supplémentaires se sont avérées inexactes lorsque nous les avons confrontées à des parties civiles à l'audience et que, en conséquence, quelles que soient les vérifications faites dans le cadre d'un rapport avocat-client, cela, on ne peut pas faire l'économie d'une comparution à l'audience et de la confrontation à la preuve de ces apportées par ces parties civiles dans le cadre d'interrogatoires des parties et des juges. Ça, c'était un petit point de précision. Enfin, et ça, c'est toujours sur les remarques générales, sur les documents qui viennent d'autres instructions, je rappelle la position de l'équipe de Quesampan, qui est de dire que M. Quesampan n'est pas parti à ces instructions en cours, qu'on lui oppose ce genre d'éléments dans lesquels auxquels il ne peut pas répondre si ces personnes, d'autant plus, ne sont pas appelées à la barre, et qu'en conséquence, il y a une violation de son droit à pouvoir avoir un procès équitable, et notamment à pouvoir répondre et tester les accusations qui sont portées contre lui. Je vais commencer par évoquer les documents qui ont trait au traitement des Vietnamiens. Évidemment, dans le temps qui m'est imparti, il sera impossible de commenter l'ensemble des documents un par un, mais il y a quand même des observations qui surgissent au fil de la lecture de ces documents. Et également, c'est un point important, je dis d'autant plus que c'est la même chose qui s'est passée ce matin lorsque M. le co-procureur international donne son interprétation de documents. C'est vrai qu'en définitive, c'est vous qui allez juger, et c'est vous qui allez juger en fonction d'éléments que vous allez trouver et que nous avons mis en avant, et pas forcément uniquement en fonction de l'interprétation que nous en avons. Et sur le traitement des Vietnamiens, je dois dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents j'ai entendu en leitmotiv de la part de M. le co-procureur international. Et ce document prouve qu'il y a une volonté de s'attaquer aux combattants et aux non-combattants. Et lorsqu'on regarde les documents, il n'y a rien de tel qui est dit. Donc, ce n'est pas parce que les co-procureurs, dans leur position de personne cherchant des éléments à charge, donnent une interprétation d'un document qu'il faut se contenter de cette interprétation. Il faut aller revoir le document à la source et voir ce qui est dit exactement. Là, un exemple serait par exemple le document E3/7842. Et là, ça me permet de rebondir sur la question de ce qui s'est passé avant 77, puisque M. le co-procureur international aujourd'hui vient de dire, mais rappelez-vous, on nous a apporté des éléments de contexte du côté de la défense qui sont antérieurs à 77, mais dans le cadre de l'ordonnance de clôture, c'est à partir de 77 que on parle de l'intention génocide. En l'occurrence, je rappelle que ce document parle ce qui s'est passé entre 1975 et 1976, et donc en réponse, je dirais que ce sont des éléments qui ont été mis également en avant du côté de l'accusation, et donc c'est donc normal que nous interrogions également à cette période. En tout état de cause, je vous demande de mettre ce document de 3/78/42 en contexte avec les éléments que j'ai cités, pour le coup, qui correspondent à la même période. Vous vous souviendrez que je vous ai cité un passage de cette fameuse réunion sur les négociations avec les Vietnamiens, où Sun Sen dit bien qu'il faut faire profil bas et que même s'il y avait des tirs parfois de Vietnamiens, il fallait faire profil bas et continuer dans la négociation. Autre document cité en face, document E3/759, qui est un étendard révolutionnaire d'avril 1976. Là encore,
question d'interprétation. Il n'y a rien dans ce document où on parle de l'expulsion d'étrangers de façon générale. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas que les Vietnamiens qui ont quitté le Cambodge en 1975 et en 1976, mais que ça concernait globalement les étrangers. Donc lorsqu'on utilise ce document pour dire qu'on parle spécifiquement à cette date des Vietnamiens, c'est inexact. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été utilisés également par le procureur international sur son interprétation, encore une fois, de ce que certains documents voulaient dire. Et là encore, je suis obligé de parler du contexte parce que lorsqu'on parle des ennemis, lorsqu'on parle de ennemis à combattre, on veut parler de non-combattants et de combattants en même temps et de la population vietnamienne de façon générale et indifférenciée. Cela ne ressort pas des documents tels qu'ils ont été cités. Et là, notamment, je vous renvoie au document E3-805 du 16 décembre 1976. Où, très clairement, dans ce document qui est un document de la division 920, on parle quand même de la situation des ennemis. Et là, c'est à l'ERN 00185237 en anglais, en Khmer 00052333 et en français 00315067. Et on parle très clairement, et ça c'est également dans l'ensemble du document, on parle de la situation à la frontière et au... je cite également un passage important qui a été redit, mais quand on dit apparemment concernant la situation des ennemis internes, ils ont été écrasés en général, aucune préoccupation, mais l'incitation le long de la frontière, les ennemis continuent toujours. Donc si on ne comprend pas le contexte de ce qui se passait à la frontière avec l'effet que ça pouvait avoir à l'intérieur du pays, on ne comprend absolument pas l'intégralité du document. Document, c'est la même chose pour le document E3-742, un étendard révolutionnaire également. Là encore, on parle bien de problèmes de conflit et de ce qui se passe avec le Vietnam en tant que pays. Document E3-435. On ne parle pas de tuer des Vietnamiens, on demande simplement à l'Ankar du district quelles sont les éventuelles consignes pour un éventuel retour de certaines de Vietnamiens dans leur pays. Ensuite, document E3-240, on nous dit que c'est bien la preuve qu'il y a une volonté de tuer la population en général, mais il y a un passage que le co-procureur n'a pas cité, et là c'est l'URN en français 00-282-85-50, l'URN en anglais 00-897-667-667-68, l'URN en Khmer 00-282-85-50, où le co-procureur n'a pas mentionné ce qui était un élément important. Rapport et ce télégramme, à savoir qu'ils ont entendu un certain nombre de soldats vietnamiens armés et qu'ils ont été saisis, un AK, trois AR-15, deux pistolets et trois grenades US. Donc nous sommes loin d'une population vietnamienne civile, nous parlons de personnes qui sont armées. Civilian population. We're speaking here about armed combatants. Ensuite également, E3-248, vous verrez que dans ce document, un rapport qui fait état de l'interrogatoire d'espions vietnamiens, vous verrez que dans ce document est également, sont également évoqués des combats avec des soldats à Dak Dam. Et nous sommes en janvier 1978, donc là aussi, important au niveau du contexte, ça veut dire que lorsqu'on parle de Vietnamiens, d'espions, Vietnamiens qui combattent à la frontière, on parle bien de gens qui sont combattants et non pas d'une population civile.
Un autre élément qui a été relevé par l'accusation est le document E3/200, qui est un discours de Que Sampan. Et là, encore une fois, obligé de parler du contexte, puisque nous disons le fait de parler d'ennemis en général, on veut dire combattants et non-combattants, alors que clairement, dans ce document, et là, je renvoie à un passage, un excerpt, au passage qui se trouve à l'ERN en français 00612166, en anglais 00004165, et en Khmer 00292802804, et ça se poursuit sur la page suivante. Lorsque l'extrait qui a été utilisé par monsieur le procureur intervient juste après la phrase que je vais citer, qui dit « Notre situation en matière de défense nationale s'améliore chaque année ». Donc là, nous sommes dans, rappelons-le, un discours qui a lieu en 17 avril, le moment où on fait le bilan et le moment où on parle de façon générale des perspectives du pays. Et là, on veut remonter le moral des troupes et on parle de l'amélioration de la défense du pays. En même temps, rappelons-le, avril 1977, nous l'avons vu dans les documents qui ont été abordés, et je renvoie également à un rapport sur les activités dans la zone Est, qui est un document E3-852, où on parle, au même moment où on parle de cette amélioration de la défense nationale, qui montre bien, quand même, lorsqu'on parle de défense nationale, qu'on parle bien d'armée. Improvement of the situation of national defense de la situation des combats avec les éventuels ennemis au niveau des frontières. The fighting at the border, le document E3-852 permet de mettre en perspective, puisque nous avons des rapports de la zone Est qui se déroulent du 2 au 26 avril, où on voit qu'il y a diverses incursions qui viennent de la frontière. Nous indiquons que dans ce contexte-là, lorsque Que Sampan parle d'ennemis, de défense nationale, il veut parler de combattants et non-combattants, c'est non seulement ne pas prendre le contexte en cause, mais également déformer des propos qui ne disent absolument pas ça. Un autre élément qui est venu, qui est utilisé à l'appui de cette même thèse par monsieur le coprocureur, et un extrait de l'ouvrage de Que Sampan, it's an excerpt from the book of Que Sampan, E3/18, dans lequel Que Sampan évoque des incursions, cette fois-ci de l'armée cambodgienne, sur le territoire vietnamien, Vietnam. Et il nous indique que ce serait bien la preuve que le PCK avait l'intention d'attaquer de façon agressive même les Vietnamiens à l'extérieur. Alors quand même, un élément important qui a été passé sous silence lorsque ce document a été lu, à savoir que, premièrement, M. Sampan ne parlait pas de ce qu'il savait à l'époque, il parle des éléments qu'il a appris bien après. Et là, je renvoie à l'ERN en français 00595 547 447, ERN en Khmer 00101 03 8 5 0, ERN en anglais 00101 03 7 6 0, et le paragraphe qui se lit juste après l'extrait qui a été lu par monsieur le co-procureur se lit comme suit, goes as follows: contrairement à ma perception antérieure, est-ce plutôt les Khmers rouges qui, sans évaluer leurs propres capacités, se sont lancés dans une politique d'hostilité militaire contre le Vietnam bien plus puissant? Évidemment, je ne pouvais à l'époque des faits suivre l'évolution des conflits sur le plan militaire qu'à travers des rapports de cadres responsables de l'armée et des principales frontalières, à des réunions élargies du bureau permanent du PCK et à travers des conversations avec eux. Mais la conviction que j'avais pu me former à ce moment-là
et que les incursions dont il était question étaient des réponses à celles des Vietnamiens. À ma connaissance, si les dirigeants du PCK étaient bien déterminés à affirmer leurs droits souverains sur l'ensemble du territoire national, ils étaient trop conscients de leurs faiblesses matérielles pour s'engager d'emblée dans une politique d'hostilité à l'égard du Vietnam puissant. End of quote, free translation. So this is an important contextual element. The excerpt of Que Son Pense book here is not speaking about what he knew back then. It's just, he's just raising questions, and this is what he's saying. He says here that the information that I had and what I understood was that there were indeed incursions, Khmer incursions responding to the incursions from the Vietnamese army. So here I don't see how we can say that this is an element that would prove that there was a desire, a clear desire to attack the Vietnamese population, even outside of Cambodia, whereas I have just reminded you of the context in which this statement by Que Son Pong was made, and also reminded you of the fact that he only understood this as military issues and as responses to Vietnamese attacks. Now, in order to corroborate cette thèse, encore une fois, theory, again, de volonté d'attaque de la population civile, presented by the co-prosecutor, does that say the desire to attack the Vietnamese civilian population? The co-prosecutor spoke about a document E3/7738, in which the co-prosecutor, or in which mention is made of the incursions of the Vietnamese army in certain Vietnamese villages. Attirer l'attention de la chambre sur un autre passage. Says the speaker, and I'd like to draw your attention to another excerpt of this book de Stephen Morris, by Stephen Morris, qui se retrouve à l'URN, je pense qu'il n'existe qu'en anglais, et donc je vais le citer en anglais. The ERN, which only exists in English, so I will quote it in English. ERN 0100176464. Et qui donne un élément également de contexte intéressant. Contextual element that's worth looking at. C'est le paragraphe qui commence comme suit. The paragraph that starts as follows. As our previous discussion suggests, the Cambodian communists had good reason to fear Vietnamese ambitions toward Cambodia in the long term. Et l'auteur s'interroge ensuite pour savoir est-ce que cette peur était justifiée si le caractère imminent du danger était justifié. Il poursuit comme suit. As we have discussed earlier, comme nous en avons discuté the Vietnamese had devised a strategy for controlling the communist movements in Laos and Cambodia. A key element of this strategy involved infiltrating the communist parties of its neighbors with people it had trained and indoctrinated. In the case of Cambodia, Hanoi trained and supported the so-called Khmer Viet Minh, whom it assumed would act as its agents. Qui agirait comme ses agents. Fin de citation. And of course, so here, c'était un passage que je trouvais intéressant à mettre en relief pour dire que lorsqu'on parle, c'est un auteur, après, bien sûr que vous allez forger votre opinion, mais c'est intéressant de noter que cet auteur indique qu'il y avait une pratique d'infiltration de la part des communistes vietnamiens dans le pays et dans les appareils politiques des pays limitrophes. Ensuite, il y a une série de documents qui, là, pour le coup, correspondent vraiment à une interprétation de monsieur le co-procureur. Et je vous renvoyais à ces documents en vous disant de les examiner, en regardant bien ce que ces documents n'évoquent pas le cas de Vietnamiens qui sont identifiés, qui sont pointés du doigt parce qu'ils sont Vietnamiens, mais à chaque fois, c'est des rapports ou des plaintes qui sont rapportées
qui sont en rapport avec une critique de la révolution en général ou du régime en particulier. Et les rapports que l'accusation présente comme étant des rapports essentiels pour prouver que les Vietnamiens ont été visés montrent, en revanche, quand on les regarde, montrent au contraire plutôt quand on les regarde dans le détail, que la question de l'origine vietnamienne ou pas des personnes n'est que secondaire et que le vrai problème est la difficulté ou la critique ou une attitude considérée comme d'insubordination qui est mentionnée dans le rapport. Et là, je renvoie au document, par exemple, E3-4-1-2, où on nous dit que il y a une personne qui est mentionnée comme étant vietnamienne et que c'est bien la preuve que visée toute la population civile était visée. Or, dans ce document, ce qui est mis en avant est le fait que cette personne ne voulait pas travailler et qu'elle ne se conformait pas au plan de travail qui était attribué par les gens de la coopérative. Je vous renvoie au document, mais vous verrez bien que la question n'est pas de savoir si elle est vietnamienne ou pas, c'est les critiques et le refus d'obéir aux consignes. Même chose pour le document E3-2447. D'ailleurs, vous verrez que la mention la nationalité vietnamienne de la personne n'arrive qu'en post-scriptum, et que le vrai problème est les oppositions, les critiques et les plaintes qu'ils formulent à l'égard des responsables de la localité. Idem pour le document E3-2050. Là encore, c'est intéressant parce qu'il fait référence à l'arrestation de trois femmes, et parmi ces trois femmes, il y en a qu'une qui aurait été d'origine vietnamienne, et le problème, encore une fois, c'est le problème relatif au travail, le problème relatif à l'insubordination. On ne peut pas utiliser ces éléments pour dire que cela explique et que cela fonde une intention génocide de la part du PCK de façon générale nationale, mais là on voit que localement, ce sont des difficultés qui sont en rapport avec les plaintes et le comportement de ces personnes-là. Je mentionne des documents dans la pause, Monsieur le Président. Également, même chose pour le document E3-2435 et document E3-4127. And I think maybe you might want to take a break now, right? President, thank you, Councillor. It is now appreciated for our short break. We take a break now and resume at 10:30. The court is now in recess.